Bon, j'ai vu Squid Game. On y va? C'est parti? Ouais, j'ai eu un pote québécois au téléphone cette semaine, il m'a dit « T'as-tu vu le jeu du calamar? » J'ai dit « Le quoi? » Il me dit « Le jeu du calamar, c'est la série sur Netflix en ce moment. » Je dis « Squid Game ?» Il m'a dit « Ouais, c'est ça, le jeu du calamar. » Je dis « Mais pourquoi vous traduisez tout comme ça? C'est pas nécessaire. Qu'est-ce que tu dis à tes potes? Bah, je m'en vais à souper puis regarder le jeu du calamar un soir. Oula, bah, bonne soirée. » non mais on les embrasse, ils traduisent tout, ils protègent la langue française, donc ils traduisent tout, c'est normal. Mais bref, en tout cas Squid Game, c'est une série sud-coréenne où les personnages jouent à des jeux d'enfants et s'ils se font éliminer, ils prennent une balle dans la tête. Alors, moi j'ai bien kiffé la série, mais j'ai quand même envie de dire aux sud-coréens, ça va? Ça va, ça n'a pas été trop dur vous le confinement là, c'est... Non, sérieux. Alors, je dis sud-coréen, c'est important parce qu'il y a une version nord-coréenne de la série, mais les gens savent pas parce que y a pas de caméra. Le seul survivant de cette série gagne 45,6 milliards de won, mesdames et messieurs. Remettez-vous-en, bordel, de cette vanne. 45,6 milliards de won. J'ai quand même été voir la conversion sur Google. Et c'est juste 32 millions d'euros. Est-ce qu'il n'y a que moi qui me suis dit « c'est juste 32 millions d'euros » Et est-ce qu'il n'y a que moi qui me suis dit juste après « mais pour qui tu te prends à te dire juste 32 millions d'euros exactement ?» Non, parce que les amis, 32 millions d'euros, moi je vais vous dire, hein, au rythme où je joue ici et au prix où je suis payé, j'ai calculé, 32 millions, je les aurai dans 5000 ans. Du coup, qui est chaud pour un, deux, trois soleils là ? En plus, j'ai appris beaucoup de choses sur ce jeu 1, 2, 3 soleil. Il n'y a que en France qu'on dit 1, 2, 3 soleil. Que la traduction, c'est 1, 2, 3 soleil. Il n'y a que en France. Par exemple, en Corée du Sud, déjà dans la série, c'est une poupée hyper angoissante qui fait un truc du genre « Fukunga kontiya tumida vuh ». Et la traduction de ça, c'est pas 1, 2, 3 soleil. Hein. C'est « Les fleurs d'hibiscus ont fleuri ». Vous êtes sûr que ça va, les Sud-Coréens? Vraiment, les fleurs d'hibiscus ont fleuri. Alors, les Québécois qui adorent le français, qui adorent la France, je vous jure que c'est vrai. Les Québécois, ils disent bleu, blanc, rouge. Ils adorent la France, les Québécois. Non, mais c'est vrai, hein, c'est vrai. Et alors, chaque pays a son truc. Hein. Alors, il y a les 1, 2, 3 classiques, par exemple, au Mexique, c'est 1, 2, 3 congelés. En Algérie, c'est 1, 2, 3 statues. Ils ont fait ça en deuxième temps parce qu'au début, ils avaient fait 1, 2, 3 vive à l'Algérie. On leur a dit arrêtez avec ce truc-là. Arrêtez de mettre ça partout. Vraiment, trouvez-vous un... Et alors là, il y a les Belges. Les Belges, c'est complètement autre chose. Eux, ils ont fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28... Ah bah tout le monde a gagné.